Salut, salut les amis, c'est Fut4Fun, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, défi création d'équipe, DCE Live, avec la carte du joueur du mois de Ligue 1, Ibrahima Niang, le buteur de Metz. Et franchement, il a une belle carte. Bon, 3 étoiles de geste technique, 3 étoiles de mauvais pied, ça va en freiner plus d'un. Mais rendement du joueur élevé, faible, taille 1m87 pour un BU, c'est vraiment pas mal. Il a quand même 92 de vitesse, 84 de tir, 83 de dribble. Franchement, il a une carte sympa. Elle coûte pas énorme, elle coûte 37 000 crédits exactement, je vais vous dire. 36 009, donc ça va. Franchement, ça passe. Donc au niveau de ses stats, il a 95 en accélération et 89 en vitesse. Franchement, pas mal. Vous lui mettez une carte chasseur, il a 99 de partout. Au niveau des tirs, 84. Placement offensif, 80. Finition, 82. Puissance de tir, 94. Tir de loin, 80. Volée, 63. Penalty, 85. Franchement, pas mal. Au niveau des passes, c'est pas son fort, mais il a quand même 72 en centre et 75 en passe courte. Donc, ça passe. Au niveau des dribbles, 87 d'agilité. Donc, ça, c'est vraiment bien. L'équilibre à 66. Ça va faire pas mal de dégâts, mais en même temps il fait 1m87, donc on peut pas lui demander d'avoir le même centre de gravité que Messi. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Réactivité 76, conduite de balle 81, dribble 87, calme 70. Au niveau de la défense, on n'en parle pas, mais regardez la précision de tête, 96 avec 91 de détente. Le type, c'est un tueur. Endurance 76, force 87, agressivité 45. Moi je dis franchement, pour ceux qui ont une Ligue 1, il a vraiment une très belle carte. Donc les amis, on passe maintenant à la solution DCE. Donc il fallait un joueur de Ligue 1, j'en ai mis deux. Voilà. Un joueur de l'équipe de la semaine, c'est aussi un joueur de Ligue 1, c'est Florenzi. Une note générale à 84, un collectif à 60. Voilà les amis, 36 900 crédits environ, 37 000 au cas où, 38 000 si ça augmente un peu. Mais voilà, rien de fifou, vous avez bien vu que il n'y a pas beaucoup de joueurs au bon poste, il y a déjà 4 gardiens là. Donc forcément, vous pouvez faire des changements. Allez, on commence avec Gianluigi Donnarumma. Alessandro Florenzi, la version boost à 84. Salvatore Sirigu. Casper Schmeichel ou n'importe quel 84. Rui Patricio, lui par contre il va le falloir. D'ailleurs quand je dis n'importe quel 84, pour Schmeichel il faut qu'il joue soit en première ligue, soit en Serie A. Ouais, en Serie A. Donc Rui Patricio, Danilo Pereira, Jesus Corona, Ruben Neves, João Moutinho, Pizzi. Et on termine avec Raúl Jiménez. Donc voilà les amis, 84 de notes, 61 de collectif, c'est ce que vous aurez. Parce que lui, je ne l'ai pas packé, je l'ai acheté. C'était pour l'achat-revente, mais au final, je ne l'ai jamais revendu. C'est pas grave. Voilà les amis, si vous le faites, dites-moi en commentaire ce que ça donne en match. Parce que franchement, pour moi, il me plaît bien. Hein. Si j'avais une Ligue 1, franchement, je pense que je l'aurais fait. Moins de 40 000 crédits, ça vaut le coup, je pense. Après, l'avenir nous le dira. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Ça fait toujours plaisir. Nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant les amis, prenez bien soin de vous. Ciao et merci.